Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Nous allons capter pour un sujet particulier. L'autre jour, nous avons capté, un djinn est venu, il m'a dit, c'est toi qui nous as ramenés. Je dis, non, je ne suis qu'un instrument. Un instrument de mon patron d'Allah. Il a dit, instrument, instrument. Et puis, il s'est passé un témoignage bizarre. Le djinn a développé ce thème, a expliqué ce terme à la capteuse dans sa tête. Donc, elle va nous dire ce que le djinn lui a parlé dans son esprit et nous allons continuer, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le djinn a parlé dans ma tête. Il m'a dit que les instruments sont sataniques, la plupart, donc, et que c'était pas l'humain qui... C'était l'humain qui s'adaptait à l'instrument. Voilà. En fait, l'instrument a été créé par l'humain, mais par des djinns, par la descendance du diable, pour attirer de plus en plus les humains dans l'égarement et dans l'erreur. Et ils ont dit que c'est pour ça que personne ne sait jouer d'instrument dès le départ, alors qu'il a été inventé par des humains, soi-disant. C'est parce qu'il faut que l'humain s'adapte à l'instrument. Donc c'est pour ça qu'on apprend avec l'instrument, et c'est justement pour les sons, les vibrations, les couleurs, tout ça par rapport à l'instrument, ça attire beaucoup de djinns, et c'est pour posséder les gens et les rendre vraiment accros à ces instruments-là. Et ensuite, ben, par la suite, en fonction de l'instrument, les gens peuvent devenir diaboliques, peuvent devenir possédés, c'est plus eux qui contrôlent leur corps quand ils sont dans cette... d'où l'adrénaline, quand ils chantent ou quand ils font de la musique, ou ils ont du mal à s'arrêter. Voilà, en tout cas, en gros, c'est plutôt l'humain qui doit s'adapter à l'instrument, parce que c'est les djinns qui sont là-dedans qui veulent prendre le pouvoir. Voilà. Il a parlé de la fusion entre la personne et son instrument. Oui, d'où il y a des personnes en général qui chantent entre guillemets sous la douche comme des casseroles, et puis dès qu'ils ont eu ces instruments-là, dès qu'ils ont commencé à se lancer, leur voix change, les voix deviennent... souvent, ils disent que, du moment de ce que les djinns ont dit, c'est quand la personne chante à la maison, des fois même les humains réalisent que leur voix n'est pas pareille que quand ils chantent avec les instruments, quand ils sont accompagnés, justement, parce que c'est pas eux qui se chantent à ce moment-là, du moins c'est les djinns qui embellit la voix. Et ils ont dit que la flûte... Oui. La flûte fait partie de l'instrument numéro un satanique, d'où il y a des personnes, quand ils font la flûte, les serpents, en fait, c'est vraiment diabolique. Ça fait danser les serpents. Ça fait danser les serpents, c'est justement parce que les djinns qui sont dedans, c'est plus des djinns serpents, et donc ça attire... Donc les flûtes, ils ont dit que c'est le numéro un. Et justement, le prophète s'est dit... Al-Mazamiru, Al-Mizmar, Subhanallah, le hadith m'échappe, mais la flûte est l'instrument d'Iblis. Et donc, tu as dit que c'est pour ça que ça fait danser les serpents. Oui, parce que la plupart c'est diabolique. Et Subhanallah, à l'école, en France, ben, les cours de musique sont obligatoires et c'est avec la flûte. Bon, on pense que c'est parce que c'est le plus simple, on ne peut pas acheter une guitare pour chaque élève ou un piano. Et puis avec la darbuka, on ne peut pas faire do, ré, mi, fa, sol. Mais vraiment, c'est satanique. Donc nous allons capter pour ça, Inch'Allah. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim inna waliyyi Allah alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Aynama takunu yati bikum Allahu jami'an inna Allah ala kulli shay'in qadir. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Bonjour. Est-ce que vous étiez avec les instruments de musique? Et quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous faites avec ces instruments de musique? Dès qu'ils sont utilisés par les humains, oui. Notre travail commence. Ah, donc chaque instrument, il y a des djinns avec lui. Eh oui. Subhanallah. Mais dans une usine où ils fabriquent des guitares ou des flûtes, vous venez comment? Ah, donc tant que l'instrument n'a pas été utilisé, vous venez pas. Oui. Et d'accord, donc dès qu'il y a le son, ça vous appelle. En fonction du son. Et maintenant les humains ont appris les sons sataniques, les sons qui nous attirent. Donc ils savent, ils font les sons et on arrive. Et quels sont les sons sataniques qui vous attirent? Ça dépend, je ne saurais pas trop expliquer. C'est au son, on entend un son et on sait qu'on doit venir. Mais les chansons qu'on apprend aux écoles, aux enfants à l'école, oui. ça fait partie des choses qui vous font venir? Oui, parce que c'est pas les paroles forcément. Les paroles, c'est quand ils ont été dites pour. Mais c'est les notes. Donc, excusez-moi, parce que mes enfants, ils ont appris ça. Oui. Na 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 na. Non. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. C'est pas les paroles qui attirent. Oui, bon. C'est les fonds, ceux qui sont. Est-ce que ce son-là, ça vous attire? Pas trop. Pas trop, non. Ah, donc. C'est le son. Le rythme. De l'instrument. C'est pas les paroles. D'accord. Bon, ok. Et est-ce que vous êtes des diables ou bien des djinns normaux? Il y a un mélange en fonction du degré. Ah. De la demande. Donc. Le degré monte, plus c'est Satan et sa descendance. Waouh! Donc plus. Il y en a de plus en plus chez les personnalités qui aiment ça. D'accord. Ça leur donne de la force. Ils se sentent forts et tout permis. Et donc, vous êtes des djinns qui sont consacrés à la musique et au son. Et vous venez quand on vous appelle. Oui. Est-ce que vous avez des bases ou des Mais réserves? Il y a pas que ça, il y a aussi. N'importe quel djinn peut des être attiré. Les couleurs. Oui. Et, par exemple, il y a des personnalités qui vont faire des tenues en fonction de leur représentation satanique. D'accord. Les couleurs veulent dire beaucoup de choses. La couleur du feu, la couleur de la paix, la couleur de. Des gens, ce qui sont décidés, mais chaque couleur veulent dire pas chaque couleur, mais les couleurs qu'ils ont décidées, qu'ils ont mis dans le satanisme. Ok, et est-ce que vous venez d'un endroit particulier ou vous êtes comme ça baladeur, ou bien vous avez des endroits où vous vous entraînez, où vous attendez l'émission? Ben oui, on est formé. Ah, vous êtes formé, hein? Ben oui. D'accord. Et puis, on est formé à la demande. Plus il y a des demandes, plus il y a des formations. Plus on recrute et on forme. C'est comme à l'armée. Mmh. Plus il y a des guerres, plus on appelle aux soldats. Sous les drapeaux. Voilà. D'accord. Donc mon patron va vous. Je vais vous présenter mon patron. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله داكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي t'attirer et c'est toi qui veux m'attirer. Oui, c'est comme ça la vie. Chacun travaille
De son côté. Alors, comment tu trouves? Oui, prends ton temps. قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم. Je veux que vous soyez musulmans. Oui, mon patron va vous expliquer si vous voulez. C'est pas notre mission. Ah, quelle est votre mission? Notre mission, c'est s'occuper des enfants, des petits, les égarer, les rendre accro, agressifs. À l'école ou bien avec Internet ou bien avec les jeux? L'écran, tout ce qui est écran. Avec les écrans? Oui, avec les sons des écrans, les sons musicaux ou les sons des jeux ou les sons des films ou les sons des dessins animés, tout ce qui a rapport avec l'enfant. Et qui vous a donné cette mission? C'est les sataniques. Les humains? C'est les humains. Ils combattent la race humaine eux-mêmes alors qu'ils sont Subhanallah. Eh oui, ils veulent plus d'agression, plus de viol, plus de malades mentaux, plus... Et on comprend pas pourquoi. Mais on fait quand même parce qu'on nous demande... Et qu'on a des responsabilités aussi qu'on doit faire. Eh bien, nous avons un meilleur travail à vous proposer et mieux rémunéré en plus. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ça va mieux? C'est peut-être que tu as trop pris de sang. On t'a donné beaucoup de sang? Oui. Ouais, ça doit être ça. Donc, oui. J'ai eu même des trois rituels. Ah ah. Dans les loges. Donc, je peux te faire une proposition? Pourquoi tu as des enfants qui sont petits? Tu as des petits ou pas? J'en ai. Tu as peur pour eux? Pas spécialement. Qu'ils sont intouchables? Pas du tout. Alors, pourquoi, comment ça se fait?
Comment ça se fait que j'ai pas peur? Et ce qui est débile, c'est qu'il y a des parents, ils disent qu'ils ont peur pour leurs enfants. Ouais. Et qu'ils préfèrent qu'ils restent à la maison, en face de la télé. Ah, d'accord. Ou bien de leur truc là, leur boîte là, je sais pas comment. Le Nintendo. Plein de trucs avec des boutons. Les jeux quoi, oui, les Nintendo. Voilà. Et ben, ils comprennent pas que c'est ça qui les rend agressifs. Subhanallah. Parce que ça a été fait pour. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas autant de jeux intelligents que débiles. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de jeux débiles que tu comprends pas à quoi ça sert. À part rendre l'enfant imbécile. Hein. Ils ne veulent pas d'intello, ils n'en veulent plus. Parce qu'ils ont peur que les intellos se retournent contre eux un jour ou l'autre. Alors ils préfèrent maintenant limiter pour le peu qu'ils soient intelligents. Ils essayent de les prendre avec eux. Et ils sont très intelligents. Pourquoi tu veux défendre tout ça et tu t'intéresses? Vous n'êtes pas nombreux là-dedans. Oui, mais on n'est pas nombreux. Mais notre patron, c'est le plus fort. Ton patron est le plus fort. Oui. Plus fort de tous ces sataniques ensemble. Regarde. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أولم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض Les cerveaux sataniques ne se mouillent jamais. Et ils font en sorte qu'il n'y ait pas de traces qui remontent à eux. C'est les plus dangereux. Ok, donc on va chercher tous les djinns qu'il y a autour d'eux avec eux et qui aident leur esprit. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 Bonjour, vous êtes avec les intelligents, les décideurs, les planificateurs. Et vous êtes des satanistes.
Ya Allah, montre-leur la réalité d'Iblis. 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 Ya Allah, montre-leur. Emporte sur le bien, le mal emporte sur le bien, et tous ceux qui suivent seront épargnés. Épargnés? Ouais. Vous, vous pensez que vous allez être épargnés? Oui. Oui, Ya Allah. Et ceux qui nous suivront? Non, non, vous vous trompez. Vous ne serez pas épargnés. Oui, toi, tu seras épargné. Ya Allah, montre-leur la vérité. 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 La vérité, c'est que le monde s'assombrit et va continuer dans le chaos. Et les humains imbéciles qui croient que c'est eux qui mènent le monde, c'est nous qui menons le monde, et ils vont tous tomber dans le trou. Et même, vous aussi. Même ceux avec qui on est. Oui. Parce qu'on n'en a rien à cirer d'eux à la base. Eux travaillent avec vous, et vous les arnaquez. Et vous, vous travaillez ça, avec Iblis. Ils ne le savent pas. Et vous travaillez avec Iblis, et ils vous arnaquent, et vous ne le savez pas. Iblis nous arnaque. Oui. Pourquoi il nous arnaquerait? Parce qu'il est méchant, comme vous êtes méchant. Il est plus méchant que vous. Qui te dit qu'il est plus méchant? Regardez, regardez. Ya Allah, montre-leur la réalité d'Iblis. 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 Ce que je trouve bizarre chez les sataniques, oui, c'est qu'ils sombrent, ils sombrent, ils sombrent, ils continuent. Oui. Et ils voient qu'ils sont en train de sombrer. Oui. Et ils sont encore plus malheureux que malheureux. À un moment donné, ils se réveillent, ils se regardent dans une glace, ils ne comprennent pas, mais ils continuent. Et ils croient que c'est ça le bonheur, je sais pas comment. Et vous aussi? Non. Vous êtes de plus en plus noir et vous vous sentez fort et vous aimez. Oui, 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 de plus en plus noir. Plus vous faites du mal, plus vous noircissez et vous aimez ça et vous allez finir en enfer. Iblis, il vous arnaque. Ya Allah, montre-leur là. Contrairement à vous ou à eux, oui, on ne ressent rien. Donc on ne souffre pas. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Bien sûr, pas tout le monde est au courant. C'est les sataniques qui sont au courant. Les têtes qui ont donné la possibilité de faire ça. D'accord. Ça les rend plus forts et plus... Pour eux, ils ont plus de pouvoir. Les diables les aident. Bien comme il faut. Yallah, montre-lui la vérité de Dieu. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. Il y en a même qui ont peur d'avoir un cœur, de ce qui pourrait devenir après. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. Dis-nous ce qui se passe. Pas du tout. Si je t'avais pris pour un débile, je ne t'aurais pas donné une chance de te repentir. Je savais que tu étais intelligent et que ton cœur était toujours là et que tu allais choisir la vérité. Et tu vas pas te moquer. Pas du tout. Et je vois quelqu'un qui est en train de répondre à ce que tu dis. Oui. Ouais. Mais c'est quelqu'un de mort. Oui. Et de mort depuis une éternité, quoi. 1400 ans. 1400 ans. Une éternité. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque me salue, Allah me rend mon âme pour lui rendre son salut. Oui, mais moi je ne l'ai pas salué. Pourquoi je l'ai vu? Mais parce que c'est moi qui le salue. Tu l'as vu en train de me saluer ou bien il te saluait toi? Non, il ne me salue pas moi. Voilà. Il a fait un truc. Mais voilà. Donc tu as vu. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فسرهن اليك حرمت عليكم الميتة الدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وقدمنا الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Oui, on va chercher les djinns pour tous les satanistes que tu as dit, ceux qui... La flûte, le violon oui. Et le piano sont les plus sataniques, donc ça attire le plus de djinns. D'accord. Et la darbukat, les tambours, ça fait rien. Pas le truc que tu as dit en premier. Le darbukat. Oui. D'accord. Les tambours, ça dépend. S'il y a des choses qui disent, ont des mots-clés, parce qu'il y a des mots-clés. Les humains ont mis des mots-clés. Est-ce qu'ils sont sataniques? Par exemple, s'ils veulent te dire quelque chose, le mot-clé, vont trouver comment l'introduire dans les paroles. Et ça va déclencher quelque chose chez toi. D'accord. Si on veut te bloquer, tu vas être bloqué. Si on veut te paralyser, tu risques d'être paralysé. Si tu... enfin, plus la demande est énorme, des fois ça ne marche pas comme ils veulent. D'accord, donc merci. La flûte, le violon et le piano sont les pires. Oui, le violon est très diabolique. D'accord. Ok, on peut continuer tous les djinns dans tout ce satanisme? Je ne sais pas s'il reste quelque chose. Mais tu as dit à les humains qui font vendre la viande avec la viande des animaux. Ah, mais il n'y a rien à voir avec ce qu'on a dit, quoi. Oui, mais c'est quand même du diastre. Exactement. Oui. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. C'est pourquoi ça? Le voile, ben c'est comme ça que les femmes musulmanes s'habillent. Ah, excuse-moi, mais j'étais avec des musulmanes qui ne portaient pas ça. Elles ne pratiquent pas, elles ne respectent pas la religion. Tu peux aussi avoir des musulmans qui font toutes sortes de péchés. Ah, ben dites, on n'est pas sorti. Comment vous dites? De l'auberge. Voilà. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. C'est parce que je suis dans le corps d'une femme. Voilà, c'est pas pour t'habiller toi comme ça. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق لا تركبون طبقا عن طبق.
La tarkabun tabaqan an tabaqi la tarkabun tabaqan an tabaqi la tarkabun tabaqan an tabaqa la tarkabun tabaqan an tabaqi la tarkabun tabaqan an tabaqi la tarkabun tabaqan an tabaqa لا تركبون طبقا عن طبق 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 حرمت عليكم الميتة ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال ربي قال أولم تؤمن قال بلى Ouf, je m'en perds les mots. C'est mon effet, ça. Ah ouais? Perso. Explique-moi que comment tu fais ça, c'est quoi? On embrouille les cerveaux. Ah? Ça ne devient plus du cannibale, en fait, quand on est là. Ça devient normal. Waouh! Ça devient normal. Vous embrouillez les cerveaux pour qu'ils mangent la viande humaine normale. C'est ça? Il n'y a pas de dégoût, qu'ils ont embrouillé. Mais c'est de la viande et puis c'est tout. Ouais. D'accord. Et... On embrouille les cerveaux. Qui vous a demandé de faire ça? Alors, il y a côté humain et côté diabolique. D'accord. Il y a les diables qui ça et puis chez les humains qui demandent Disons ça? Que les humains qui demandent ça, c'est les diables qui les poussent aussi. Ok. Donc les humains sataniques et puis les satans eux-mêmes. Ah bah, ils ont voulu devenir sataniques. Il y en a c'est eux qui sont entrés là-dedans. D'accord, il y en a qui ont été influencés, il y en a qui regrettent, mais c'est plus facile de rentrer que de sortir. Bon, maintenant il y a des critères quand même, c'est de plus en plus dur, mais quand on est dans, et puis il y a les diaboliques, on va dire solitaires, ceux qui n'appartiennent à aucun camp, qui sont juste diaboliques, parce qu'ils sont tellement possédés et anéantis. La vie a tellement été dure avec eux, ils ont tellement subi aussi. Qui sont devenus comme ça aussi. D'accord. Est-ce que vous voulez connaître la force qui vous a ramené ici? Non? Sans plus. Bon, on peut vous faire une offre de travail? Pourquoi tu nous emmerdes? Ah! Pourquoi tu es venu nous chercher? Tu n'es pas dans ce camp-là, alors je vois pas. Pourquoi tu fais pas ta vie et tu me laisses vivre la nôtre? Ben voilà. Donc mon patron va vous expliquer, parce que je travaille pour mon patron. Oui. Il t'a envoyé. C'est ça. C'est quoi ton patron? Je vais vous le présenter tout de suite. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله داكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك
ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. Je n'y crois pas. Mais est-ce que tu vois quelque chose ou tu ne vois rien? Pour moi, c'est de l'illusion. Tu fais des tours de passe-passe. Tu essaies de nous faire montrer des choses. Ok, je vais essayer autre chose alors. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال وي يسبح الرعد بحمده. De l'islam. Oui. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأشهدنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض. الله الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. Okay. Donc tout ce qu'on a dit, c'est venu pour les cannibales, pour les sataniques. D'accord. Nous allons tous saluer le prophète Sassalem et vous allez voir comment il va vous répondre et comme ça nous allons attirer un maximum de djinns innocents et victimes. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمها. الله نور السماوات والأرض. الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تكاد تميز من الغيظ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Masha'Allah. Donc c'était le captage pour les instruments de musique et vraiment frères et sœurs, je vous invite à retenir que la musique et les jeux vidéo c'est un outil pour rendre les enfants sataniques et violents. Qu'Allah nous aide et tout le reste aussi vous avez vu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baiklah guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Website Syekh Abdul Rauf bin Halima ada di www.benhalimaabdurrauf.fr. Silakan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi.